Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 1 du Let's Play de We Rise Son of Rome. Alors, Rise Son of Rome, jeu qui date, hein, qui était sorti à la sortie de la Xbox One, pour faire voir un peu sa capacité et tout ça. C'est dans l'univers de Rome. Vous voyez, et c'est sanglant. C'est sanglant, c'est interdit au moins de 18. Voilà. Et nous allons commencer tout de suite. Donc, je vais aller faire ça. Hop, nouvelle campagne. Soldat, donc ça doit être facile. Normal, hard, very hard. On va mettre normal. Voulez-vous vraiment redémarrer la campagne? Oui, oui, parce que j'avais fait des petits essais. Je vous laisse la cinématique. Il est venu pour nous tuer. Il est là. Il est là. Il est là. Aidez-moi. Aidez-moi. Protégez votre empereur. Moi, Néron, Augustus Germanicus, vous ordonne de protéger votre empereur. Et la victoire sera à nous. Donc je vous l'avais dit, hein, c'est sanglant. Donc, phase de didacticiel. Pour me protéger. Pousser. Frapper. Sélectionner l'avantage de régénération de la santé. Donc, ouais. Pardon. Cet avantage est le type de récompense d'exécution. Choisis-les à l'aide de. Ouais. Et modifiez ces avantages comme bon vous semble. N'oubliez pas que vous devez exécuter les ennemis pour remporter cet avantage. On va le faire, hein. Donc faut appuyer hein, selon la couleur. Remarquez que votre santé est régénérée avec le prêt d'exécution. Trompette touche.
oublié de me protéger. Double exécution. Ah, j'ai pas réussi ma double exécution. Ah oui, parce que l'autre il est mort. Ah, trempé de bouton. J'adore les doubles exécutions. Restez pas d'échelle. C'est sanglant. LB donc. De nos défenses, soldats. À vos ordres. La plupart des hommes de la 18e Légion sont aptes au combat. Trois unités auxiliaires sont à votre disposition. Scorpion, archer et un groupe de catapultes. Tirez!
Et un peu la visée auto, hein, je vous le dis. Vous l'avez peut-être sûrement remarqué. On les a retenus. Seuls quelques ennemis ont réussi à franchir les murs du palais. Alors, vous avez de la bravoure pour acheter des améliorations. Appuyez sur... Ouais. Amélioration de compétences. Après, c'est là. Faut acheter des... J'en ai acheté, mais ça coûte. Ça coûte des sous. Enfin, des sous. Ouais, il y a des sous. Enfin, c'est pas des vrais sous, mais. Ah oui, il y a des choses comme ça aussi à prendre. Dans tout le jeu. C'est la première fois que je le vois, celui-là j'avais pas vu quand j'avais fait le didacticiel. Il est là! Aidez-moi! Je vous l'ordonne! Mon empereur, l'ennemi a percé les défenses du palais. Je n'ai que faire de ces barbares! C'est lui qui m'inquiète! Nous devons vous conduire en lieu sûr. En lieu sûr? Il n'y a aucun lieu qui échappe à ce Nous démon! Devons vous mettre à l'abri. Dans vos appartements? Appartements? Non, non! La cave! Suivez-moi! Venez! Pourquoi cette porte est-elle fermée? Il y a quelqu'un à l'intérieur! Je préférerais que vous l'ouvriez. Alors regarde s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Non. Donc appuyer sur... Là je dois faire exécution voilà, pour avoir de l'expérience. Ouais. C'est un de mes défauts aussi, j'ai tendance à... chercher des trucs comme ça au lieu de faire les combats. Enfin, pas au lieu de faire les combats, mais comme là, faut aller les aider, mais bon. Ils vont pas mourir, hein, c'est des... On est encore dans le didacticiel là, donc... Ça m'étonnerait qu'ils n'auraient mis... Si, oh, si. J'ai chopé, chronique obtenue, oh cool. Je savais même pas qu'il y avait des chroniques aussi à choper. Ou j'en avais peut-être attrapé une sans faire exprès. Bon. On va les tuer.
enfoiré. Ah ouh! Non, c'est pas les Romains qui font à vous, c'est les Grecs. Désolé si je vous ai fait mal aux oreilles. Alors, tac 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 tac, il y en a pas sur les côtés. Il doit rester encore des monstres, j'allais dire des mecs. Excusez-moi, c'est parce que... Il y a pas longtemps j'ai joué à un jeu de monstres, donc forcément. C'est bon. Enfin, restez ici, empereur. D'autres peuvent se dissimuler. Ah là. Donc il y en a, ils sont un peu plus... plus balèzes ou je sais pas. Bon, bah j'ai perdu deux collègues. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait il a une petite aura rouge autour de lui et on peut pas le... Voilà. Dis donc. Par ici, vite. Allez. Oh, allez. Allez. Oui. Voilà. C'est ça. Vite. Damoclès est revenu d'entre les morts. Je l'ai vu. Damoclès est un mythe. Seuls les hommes tuent les hommes, mon empereur. Les dieux nous guident, certes. Mais jamais ils n'interfèrent dans les affaires des mortels. Ah oui? Et quel oracle vous a dit ça, général? Mon père. Nous sommes en sécurité ici. Enfin, du moins, je l'espère. Je prie les dieux pour qu'ils nous sauvent. Ah, nous sommes en sécurité ici, mon empereur. Autant que faire se peut. En sécurité. Oui, c'est vrai, grâce aux dieux. Mais dites-moi, quel est votre nom, soldat? Marius. Mais mon nom est sans importance. Seule mon histoire. Mon père m'a appris que les dieux déterminent notre destin, mais que nous restons libres de nos actes. Votre destin était d'être empereur, le mien d'être soldat. Le sens de l'honneur de mon père l'a poussé à servir le peuple. Mais nous, qu'est-ce qui nous a conduits sur ce chemin? Qu'est-ce qui a fait de nous les hommes que nous sommes? Mon histoire commence il y a une dizaine d'années. Père. Marius? C'est bon de te revoir. Alors de quoi ai-je l'air? Regarde-moi, un vrai soldat romain. Tu as l'air en forme, mon fils. Sois le bienvenu. Bienvenue chez toi.
Sais-tu où on va t'envoyer? En Alexandrie. Ah, l'Alexandrie, c'est une province paisible. Ta mère sera ravie. N'ai pas rejoint l'armée pour miserder au soleil, père. Je vais me battre, comme toi, pour l'Empire. Chaque chose en son temps, mon fils. Il faut être patient. Et n'oublie pas, tous tes ennemis ne sont pas sur le champ de bataille. Père? Marius! Laisse-moi te regarder. Oh, comme tu es beau. Mère, je t'en prie. Ta sœur a hâte de te voir. Ils se verront bien assez tôt, mon amour. Pour l'instant, je dois m'entretenir avec mon fils. Bien. Je vous laisse. Je vais chercher ta sœur. Quelque chose ne va pas, père? Chaque chose en son temps. Pour l'instant, montre-moi ce que tu as appris. Tiens-toi prêt. D'abord, brise ma garde. On recommence. Rappelle-toi, Marius. Brise ma garde pour pouvoir me frapper. Encore une fois. Non, ça ne va pas du tout. Allez, brise ma garde. Tu sais comment faire. C'est bien. Bravo, mon fils. Recommence, mais ce coup-ci, frappe-moi 3 fois. Je t'ai bloqué. Recommence. Encore une fois. 3 touches, ou ça ne compte pas. 3 fois, Marius. 3 fois. Encore. C'est excellent. Tiens-toi prêt. Tu n'as qu'un court instant pour placer ton coup. Concentre-toi. Attends le bon moment. Réessaye. Choisis le bon moment. Réessaye. Pas comme ça. Réfléchis avant de frapper. Vas-y. Je sais pas si j'anticipe trop ou pas. Brise ma garde. Allez, enchaîne tes coups. Une attaque combinée. Alors, timing parfait, machin, ok. Laisse aller, Marie. Attends le bon moment. Ah, d'accord, ils me disent encore ce que je dois faire. Place le bon coup d'accord. Au bon moment. Tac, tac. Puis sur A pour continuer à essayer, et puis sur B pour passer. Donc c'est tac, tac. Ouais, vas-y. C'est ça, très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis à la fois triste et fier. Aujourd'hui, le fils a battu le père. Tu sais manier l'épée, c'est vrai. Mais ne la brandis pas à la face du monde. Commence toujours par te présenter paume ouverte. Viens, marchons. Le bruit court que la situation à Rome est des plus instables. Oui, nous vivons une période de troubles. Ces élections pourraient tout changer.
Je te remets à mon tour ce que ton grand-père m'avait autrefois remis. Quand l'heure sera venue pour toi de commander des hommes, rappelle-toi ce que je vais te dire. La légende raconte que Damoclès était un grand guerrier. Un chef vénéré par son armée. Lors d'une bataille, ses commandants l'abandonnèrent à son sort. Quand Damoclès arriva aux enfers, Némésis, déesse de la vengeance, fut prise d'une rage folle en apprenant le triste sort qu'on avait réservé à son héros. Elle permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion fantôme en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir poursuivi et tué tous les généraux qu'il avait trahis. Aujourd'hui encore, de nombreux commandants portent une dague au fourreau ornée de l'image de Damoclès. Cette arme est là pour leur rappeler de toujours veiller sur leurs hommes, s'ils ne veulent pas que le centurion à l'armure noire vienne un jour venger les victimes de leur égoïsme. Septima ! Les barbares ! Suis-moi ! Donc là ils veulent que je mette hop pour augmenter les dégâts. Réponds-moi ! Tuez-le !
Écoute, ils veulent notre peau, Marius. Il faut aller au Sénat pour sauver les miens. Rien que toi et moi. Donc eux sont un peu plus chiants. Il faut mettre un coup de bouclier. Voilà. Tu vas supplier pour ta vie. Ah merde, j'ai appuyé pour faire une exécution, mais ça n'a pas marché, fait chier. Bon allez, on continue. Par là, c'est la voie de ton destin. Cours. Wow, c'était suspect ça. Par ici! Arrache-lui le cœur! Ah, j'avais appuyé pourtant. Ok, donc on va aller chercher. Parchemin obtenu, on va aller chercher Platus. Oh là là, que c'est dur à monter. Ça, c'est pas de l'épée émoussée. Alors, y a-t-il des trucs? Non, ça, en plus, c'est pas par là.
par là. Par là. Alors oui, c'est vrai que je parle pas beaucoup, et donc on peut sprinter, c'est vrai que j'avais un peu oublié. Y'a rien, ça c'est des légumes, ok. Rome a été bâti pour le pape. Cette ville lui appartient, tout comme l'Empire. Ouais, de toute façon, il allait mourir, quoi. Tiens, tais-toi. C'est bon, c'est fini. Je reprends pour la route. Ah si, il y a des mecs en bas. Ok. Ok, c'est parti. Allez, viens. Donc le mode rage. Appuyez sur l'un pour gagner de la rage quand vous exécutez un ennemi. Ok. Ah, je me suis trompé. Donc là, c'est la lance. Là, il n'y a rien. Père ! Ils arrivent, Marius. Ils sont après nous. Comment ça, après nous ? C'est pas après le peuple de Rome ? Appuyez rapidement sur un pour... Ok, pour lancer rapidement un truc. Ah oui, c'est ça. Vas-y. On récupère, on sait jamais, ça peut aider. Nous sommes pointés, Marius. Fais demi-tour et attends.
Faut que je fasse demi-tour, j'abaisse le pont, ok. Aide-moi à passer. Utiliser, ok. C'est bien. Continue. Va au forum, Marius. Ne t'arrête sous aucun prétexte. Ok. Donc... je suppose qu'il faut que je grimpe. Ah non. Bonjour, monsieur, dame. Par contre, ouais, je vais mettre ça parce que c'est, je commence à perdre de l'énergie. Pour, alors, appuyer sur 1 pour améliorer. L'amélioration est indispensable pour réussir dans les offres. Oui, mais amélioration de quoi? Compétences, mais j'ai déjà fait ça. Je suis déjà bien, là j'ai mis tac-tac. Pas mis beaucoup dans rage. Enfin, j'ai... ouais, si, j'ai fait les rages. J'ai fait le gain d'expérience. Et j'ai fait le combat. La capacité d'inventaire de des trucs, on s'en fout, et l'aigle de fer amélioré, je ne sais pas c'est quoi. Maîtrise entre le... Marius entre en mode aigle de feu après 10 coups parfaits. Ouais. On s'en fout. Comment on fait pour revenir dans le jeu? Voilà. Y a rien à prendre. Si là. Ça c'est quoi? Non, ça c'est de l'herbe. Pardon. Là. Oh, j'ai oublié d'appuyer. Ta fin est proche.
Ah non, je me suis gouré de boutons. Ouf. C'était dangereux. Ah, j'ai appuyé trop tôt. Ah non, je me suis gouré de boutons. Oh ! Foire, il avait pas vu. C'est pire que ce que j'imaginais. Tu dois sauver Rome. Sauve-la de... Sauve Rome, Marius. Barbare! Espèce de sale chien galeux! J'accomplirai ta volonté, père. Je sauverai Rome des barbares. Je ferai couler leur sang. Je suis le commandant Vitalion de la 14e. J'ai combattu aux côtés de ton père. S'il faut verser le sang, je te promets qu'ensemble, nous en ferons couler des torrents. T'es dans la 2e, n'est-ce pas ? Oui, commandant. Plus maintenant. Bienvenue dans la 14e, soldat. Bienvenue dans la 4e d'infanterie. La 14e. Vitalion se chargea de terminer ma formation et tint sa promesse. En tant que soldat de la 14e, j'allais faire couler bien du sang. L'île de Bretagne, ce repère fétide aux confins de l'Empire, était la patrie des chiens qui avaient massacré ma famille et fomenté la rébellion qui grondait à Rome. Mon transfert dans la 14e Légion allait me permettre de gagner ces terres, où j'allais pouvoir prendre ma revanche et écraser l'insurrection.
Écoutez. La terre ferme et un repas chaud nous attendent. Allez, préparez-vous à l'abordage. Désolé, l'ami. Donc, on va s'arrêter là pour l'épisode 1. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2, qui sera une suite directe. Hein. De toute façon, je sais pas comment ça se goupille, mais je pense que ça s'arrête toujours comme ça. Enfin, ça s'arrête pas, quoi. C'est dans la continuité. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 2.